Ok, alors j'ai commencé à un peu raménager le terrain au village, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai fait un petit muret en bois. J'ai également réaménagé un peu cet endroit-là, je l'ai décalé d'une case, parce que sinon il était sur le muret et ça faisait pas très beau. J'ai ramené quelques vaches, bon c'est la deuxième fois que j'en ramène parce que... Oh bah j'ai trois vaches qui ont disparu comme ça. Sans donner de nouvelles, c'est... Il se passe des trucs des fois, c'est assez étrange. Et j'ai également aménagé un petit souterrain. Enfin, j'ai fait un petit souterrain qu'on va aménager. Bah, je vais tout simplement. Ici, je vais tout simplement créer un endroit donc de reproduction de vaches un petit peu accéléré pour avoir de la du cuir. Et avec le cuir, pouvoir faire plus de livres et pouvoir faire de l'enchantement plus facilement. Donc, aller chercher quelques escaliers, de l'eau, on a ce qu'il faut là-dessus. Voilà, et du verre, on va chercher. Voilà. Même pas d'escalier au final, hein. Ouais, il n'y a que du verre. On va aller chercher du verre, comme ça on verra un peu ce qui se passe à l'intérieur. J'en ai mis à cuire, ouais, voilà. Et bon, vous allez voir, hein, c'est ultra simple. J'ai beaucoup plus de place par rapport à ce dont j'ai besoin en réalité, mais. On pourra mettre d'autres choses au cas où. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici de l'eau. Oui, bien sûr, c'est moche, hein, c'est en cobble, mais on aménagera. Ça va pas rester comme ça, un jour on fera en sorte que ça soit plus beau quand même. Malou ça. Hop, heureusement. Creuser encore un de hauteur, ça c'est bon. On va creuser celui-là. Voilà. Oh, juste au-dessus il y a les vaches, hein. Vraiment c'est juste là. Vous voyez la terre, bah. C'est le bloc sur lequel elles sont. Ensuite, je vais aller chercher une des petites vaches. Soit petite, soit grande, c'est pareil, c'est juste que là, les vaches adultes, au moins, elles peuvent se reproduire. Les petits, ils peuvent pas, donc... Ils ont un peu moins d'intérêt. Ensuite, voilà, je les amène ici. Effectivement. J'ai oublié les détails. Voilà. Donc là, ils vont aller dans l'eau. Ils vont, bon, ils vont rebondir dans l'eau pour éviter de, bah, tout simplement de suffoquer. Hop, on va attendre une autre vachette. Je sais pas si c'est. C'est quoi là, bon? Ah, y a un poulpe qui est. Poulpe, c'est pas trop ça. Ok, je vais devoir attendre un peu. On va se retrouver pour la deuxième vache. Ok, on a notre deuxième vachette. Donc on va l'emmener au même endroit. Hop, et voilà. Oh merde. Hop là. Voilà. On va refermer là également. Ah ça y est, elle est adulte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la fente ici. Voilà. On va pouvoir retirer ça. Impeccable. On va. Non. Hop là. Voilà. On va aménager.
Et voilà, ici. Ici, on va aller chercher un hooper à mettre avec un coffre. Du verre. Enfin, on mettra du verre à cet endroit juste devant pour accéder au coffre. Pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Ce qui fait que je peux ouvrir le coffre. En plus, on voit même les petites vachettes. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on aura mis les vachettes, enfin, quand on aura les vaches, on les fera reproduire hop, avec du blé. La petite ça accélère un petit peu son passage à l'âge adulte. Et quand elles se reproduiront, en fait, elles seront trop nombreuses dans ce bloc. Et ce qu'elles vont faire, bah, c'est qu'elles vont suffoquer tout simplement de dégâts bah, vu qu'ils sont trop dans le bloc, en gros, ils vont suffoquer. Et bah, ça tombera directement dans le hooper qui est en dessous et dans le coffre. Donc on récupérera les items. C'est pas très. Ah, on est d'accord, hein, c'est pas très très gentil, hein, mais bon, c'est caché, donc ça passe. Dans le village en haut, ils sont dans un petit enclos, ils sont tranquilles, pépères, ils ont la belle vie, mais ce n'est que de façade. Et au moins, c'est totalement renouvelable. C'est moche, mais c'est renouvelable. Ça manque de lumière, hein. Voilà. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre que les vaches grandissent, se reproduisent, et on aura comment ça s'appelle, du cuir de manière renouvelable. Ok, voilà, donc j'ai laissé se reproduire un petit peu tout ce beau monde, et bah, vous allez voir la machine en fonction. Hop, alors on récupère ça comme ça. Ah, la machine, oui, la machine. Le coffre est vide. Il n'y a plus qu'à donner un petit peu à manger. Voilà. Ils sont trop de temps, en fait, des bébés, machin. Hop, on en voit, voilà, on voit certaines vaches qui meurent sur le côté. Et en fait, comme je vous disais, elles meurent parce qu'elles suffoquent. Et on n'a plus qu'à récupérer en dessous. Un petit peu de cuir et un petit peu de steak. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça.